Mesdames et messieurs, Ivoiriens, Ivoiriennes, mes chers compatriotes, alors j'aurais appris par voie de presse interposée qui se serait vu. Je n'oserais même pas dire les noms qu'il se serait vu de manière clandestine et nuitamment. Et si cela s'avérait qu'il se serait vu, et d'ailleurs sans presse, sans un communiqué final pour nous situer, alors c'est une trahison. Oui, c'est une trahison. Alors, je vais dire à Ibrahim Assissé Bakongo, laisse Koumassi comme ça, ça suffit. Va à Daokro et à Mama, casse tout. Et là, quand ils seront de retour, on va voir où ils vont s'asseoir. Et pour la fête de la Tabaski, ils ne seront pas mes invités, je ne veux pas les inviter. Et par contre, Pascal Afingessan serait mon invité. On va partager le moto ensemble. Et je vais appeler aussi mon fils Soro Kibafori Guillaume qui adore le mouton. Nous allons partager le mouton ensemble. Oui, c'est vrai. Et à ce sujet, où il est? Adjoumani. Adjoumani est dans la salle, il est là. Voilà, écoute, Abed Bakayoko, demain à Adjoumani, si on aura des moutons pour la fête de la Tabaski cette année. Parce que pendant la CAN, la Côte d'Ivoire a battu le Mali 1-0. Donc, c'est pas sûr que les Maliens nous donnent des moutons cette année. Voilà. Mais d'ailleurs, on s'en fout. On peut fêter avec des poulets. Voilà. Et dites à Lolo Botin que les Ivoiriens ne sont pas sales. Les Ivoiriens sont propres. C'est en Côte d'Ivoire qu'on fabrique le savon Kabakuru et les autres savons d'ailleurs. Alors si elle n'arrête pas de dire que les Ivoiriens sont sales, Go Michel va la gifler 30 fois. Oui, le 14 à la Tri-Event, 15 fois, et au Palais de la Culture, le 18 août, 15 fois. Oui, je vous invite, venez, le moto tour continue. Et avant de conclure avec le moto tour, c'est à cause de la beauté, de la propreté des Ivoiriens que Edoxi Yao a été agressé à Paris. Voilà, donc le moto tour continue, comme je disais, le 8 août à Trècheville. Mes chers compatriotes, Ivoiriens, Ivoiriens, faites-moi confiance. Faites confiance à mon gouvernement dans ce seulement. Je vous remercie.